Nous remercions Dieu parce qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Ça, c'est ma première des choses. La deuxième, nous avons perdu beaucoup de matériel important dans cet entrepôt. Et des sapeurs-pompiers de la protection civile et des sapeurs-pompiers privés sont venus au secours pour pouvoir maîtriser le feu. Et ce travail-là est en train d'être fait et vous allez le voir derrière moi, que les gens sont en train de travailler. Pour le moment, c'est ce qu'on peut vous dire et EDG portera plainte contre X pour qu'on puisse connaître l'origine du feu. La nature du matériel, c'est des matériels électriques pour le réseau électrique. À savoir, vous avez des compteurs à prépaiement, vous avez des matériels comme les tablatures, vous avez des câbles de connexion, les équipements de protection pour le réseau et beaucoup d'autres matériels que vous allez constater au niveau de l'entrepôt. Sur la desserte, ça va jouer pour des pannes qui vont survenir au futur pour pouvoir trouver du câble et aller dépanner sur les uns et les autres où se trouvent les pannes. Des tablatures, vous constaterez aussi souvent au niveau de vos tablatures, des transformateurs qui vous alimentent, il y a des équipements de protection qui sont à ce niveau, qui sont impactés. Mais nous allons faire beaucoup d'efforts pour atténuer ces circonstances-là. Les transformateurs, je les ai trouvés dehors et Dieu merci, ils n'ont pas été touchés. Mais par contre, vous avez des cellules qui sont à l'intérieur.